Konnichiwa les amis, aujourd'hui 242e jour de l'aventure, réveil à Tokyo bien sûr. Je vous retrouve à Shinjuku. Alors la journée commence assez tard, je vous l'ai dit, on a fait une grasse matinée ce matin, j'ai dormi un petit peu. J'ai réussi à dormir plus de 5 heures, donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. Donc on a libéré l'appartement, on a pris nos sacs, on a été à la station de Shinjuku, on les a laissés en consigne. Donc voilà, là on se prend un petit café, on souffle un petit peu. Bon, il va pas nous rester beaucoup de temps puisque on va aller à Shibuya faire un dernier petit tour. Il faut qu'on revienne à Shinjuku. Un petit créneau quand même pour se balader. Voilà, aujourd'hui ça va être une journée courte, je vous l'ai dit. J'essaierai quand même de vous faire quelques images à travers la vitre du bus, profiter des paysages. Voilà, c'est parti pour une journée un petit peu de transport, un tout petit peu ici, et puis ce soir arriver au pied du mont Fuji. Alors les amis, nous sommes bien arrivés à Kawaguchiko. Je parle très bas parce qu'il n'y a personne dans la rue, il n'y a plus un chat, donc je parle pas très très fort. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé? On a fait notre petit tour à Shibuya, on est revenu à Shinjuku, on avait un bus pour 5h15. On était en avance, j'étais assis, Madeleine était assis, tous les deux on surveillait. On a quand même réussi à louper notre bus. Alors heureusement, il y avait un autre bus une heure plus tard. Mais là-dessus, moi je dis souvent l'organisation japonaise, c'est carré, tout, c'est nickel. Là, on avait un numéro de bus et tout, il n'y avait pas écrit le bon numéro de bus, c'était pas le bon numéro de bus. À l'intérieur, sur les panneaux d'affichage, il y avait une destination Mont Fuji Kawaguchiko. Sur le bus qui est venu, il n'y avait pas écrit c'était la destination finale, parce que le bus continuait après. Ils auraient pu écrire Mont Fuji Kawaguchiko. Enfin bref, il faut bien qu'on se trouve un petit peu des excuses pour avoir loupé notre bus. On est quand même arrivé ici, évidemment, une heure plus tard. Je vous ai évidemment pas fait d'image parce que c'était déjà la nuit quand on est parti. Et j'ai dormi quasiment tout le long du trajet. On a mis à peine 2 heures, je crois, pour venir. Donc voilà, on arrive ici, on a simplement déposé nos affaires. On est dans la guest Mont Fuji Hostel Michaels. On a juste déposé nos affaires, on est retourné chercher un endroit où manger. À 8h30, 9h, quasiment tout était fermé déjà. On a trouvé un petit izakaya, donc l'équivalent du pub hein, anglais, je vous l'ai dit. On peut aussi bien picoler que manger, donc nous on a fait les deux. Je me suis pris une petite bière. Madeleine s'est pris un petit saké et puis on a commandé des petites brochettes à côté, yakitori et tout, c'était vraiment excellent, on s'est régalé. Donc on va passer 2 jours ici au pied du mont Fuji, il y a un grand lac à côté. On va se balader, on n'a pas trop planifié encore, mais voilà, ça va être balade là pendant 2 jours. Écoutez, rien de plus, hein, je crois que c'est tout. On va découvrir demain le paysage parce qu'on est vraiment au pied du mont Fuji, donc on le voit en très très grand, mais quand on est arrivé la nuit, effectivement, on n'a encore rien vu. On va découvrir tout ça demain matin au réveil. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au pied du mont Fuji au Japon. Ciao, good night.